commencer à remercier tout le monde qui s'est donné courage pour nous aider pour cette lettre, vu que c'était notre demande. C'était quelque chose qu'on voulait d'abord, parce que il y a beaucoup qui nous dérange, beaucoup, pas mal de choses qui a permis à ce que nous puissions plaider. Mais également à remercier aussi le gouvernement central tel qu'il a fait au gouverneur de vouloir aussi accepter ce que le gouvernement a pu demander à notre faveur, alléger à nos parents cette tâche qui était un peu catastrophique, voir aussi à tous les coquistes des honorables, voir toute personne, ne saura pas citer les noms de toutes les associations qui nous ont aidés, tous les structures, vraiment, toutes les personnes qui ont prié pour nous, je suis en train de les remercier. Certes, nous avons salué, parce que c'est ce que le gouvernement a fait pour nous, parce qu'on a constaté déjà qu'il y aura même des gens qui allaient abandonner suite à ça, parce que c'était difficile. D'abord, pour l'année passée, 94 000, il y avait des gens qui avaient abandonné, et puis d'autres qui n'avaient pas, parce que d'abord, on n'est plus préparé psychologiquement, on se disait, est-ce que on va même arriver, on saura faire l'examen dans l'attitude qui est vraiment très bien applicable. En tout cas, à tous les élèves finalistes, je suis en train de les dire que nous devons être reconnaissants. Ça veut dire que nous devons être reconnaissants, c'est bien travailler et bien préparer notre examen qui est devant nous, puisqu'il y a plus de frais qui peuvent nous donner des stress.